Last Christmas, I gave you my ass, and already next day, you fuck me away. Last Christmas, I gave you my ass, and you fuck me deeply. Bonjour à tous et bienvenue chez Colis Fantastique pour une petite vidéo de Noël. Ouais, bah tu sais, quelque part, maintenant que j'ai l'affiche, je vais faire des vidéos pour tout et n'importe quoi. Ah, aujourd'hui on est mardi, j'ai rien à dire, mais bon, c'est pas grave. Donc petite vidéo qui sera diffusée le 24. Hein. Déjà pour vous dire merci à tous quand même, petite vidéo de fin d'année. Voilà, merci toujours d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci à Wawa qui m'a ramené pas mal de monde, évidemment par le biais du Je viens chez toi. Ça fait plaisir, c'est cool, vraiment ça donne plus de visibilité à la chaîne, donc c'est nickel. Les débaltons matos aussi ramenaient pas mal de monde, donc voilà, et pas mal de monde cette année, la chaîne a pas mal bougé, donc c'est plutôt cool, hein. En plus on a reçu Paprium, donc quelque part c'est une belle année, hein. Ouais, bah c'est comme ça. Donc, mis à part ça, c'est vrai qu'une année par contre sympa pour la chaîne, mais en règle générale, une année assez compliquée, hein, en règle générale, c'est vrai que l'actu est pas top, hein, ouais. Et puis même d'un point de vue perso, tu sais, des fois tu dis, oh, ouf, mais ça va, hein, au final, et je pense qu'il faut apprendre à relativiser. Alors c'est très facile de dire ça quand on n'est pas impacté par la santé ou financièrement par cette crise sanitaire, c'est une évidence. Donc je mettrai de côté ces gens-là, évidemment, qui sont dans la merde, et les pauvres, je sais pas quoi leur dire, mais putain, courage les mecs. Mais les autres qui n'êtes pas impacté par ce genre de choses, vous êtes juste impacté parce que ça vous emmerde quelque part, ça fait chier, c'est clair que ça fait chier tout le monde, ces confinements, ces couvre-feux, ces restrictions sanitaires, le fait de ne pas pouvoir voyager, etc. C'est vrai que c'est relou, mais à partir du moment où vous êtes en bonne santé et que vous n'êtes pas impacté financièrement par tout ça, relativisez les gars, c'est pas très grave au final, tu vois, ça fait chier, c'est clair, c'est nos libertés qui sont un peu niquées, mais c'est pas si grave tant que le reste suit, on n'est pas en guerre, hein, une fois de plus, hein. Ça va, il y en a qui galèrent un petit peu plus dans certaines parties du monde, ouais. Alors donc du coup, mis à part ça, au niveau de l'évolution de la chaîne, on va garder un peu ce rythme. Alors une vidéo par semaine, c'est une évidence, hein, t'as compris l'histoire, hein, ça fait 4 ans que ça dure, mais souvent il y en aura deux, très souvent même, mais je m'impose pas deux, ouais, j'aime bien me laisser beaucoup de liberté, hein. Quelque part aussi c'est ma chaîne, tu m'emmerdes, il y en aura souvent, très souvent deux, mais si une semaine en fait il y en aura qu'une, enfin celle du lundi elle sera toujours là, c'est une certitude, après c'est un petit peu comme ça, on sait pas trop, ouais, c'est comme ça, c'est un peu à lâche ton cul, voilà. Ensuite, au niveau d'un petit bilan sur les différentes rubriques, nouvelles rubriques de 2020, déballe ton matos, évidemment, ça cartonne bien, il y en a deux encore à venir. Et je pense, je ferai certainement en 2021, du coup, un déballe mon matos, pour voir un petit peu comment la Game Room a évolué depuis la dernière fois que j'ai fait ça, depuis que Wawa a fait sa vidéo, parce qu'il y a quand même 2 ans d'écart. Donc j'en ferai certainement un comme ça. La rubrique tu ouïes et tu jouis marche bien aussi, donc c'est cool, c'est un plaisir, ça va continuer évidemment. La cover, j'en ai fait qu'une pour l'instant, mais ça va venir. Cover, j'en ai une deuxième qui va arriver, il faut juste que je mette ça en place, mais ça va venir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les parodies. Évidemment, les parodies, vous avez kiffé. Ah bah c'était cool, hein. C'est vrai qu'on s'est bien marré, moi aussi je me suis marré à le faire. Alors évidemment, si c'était si simple, je t'en ferais ça tout le temps, mais en fait, mine de rien. En fait, j'ai pas envie de faire ça pour faire ça. Ça veut dire qu'il faut quand même que j'ai des idées un minimum, tu vois. Et en fait, les idées viennent à moi naturellement. Et souvent, c'est avant de me coucher, tu vois, je suis tranquillement, tu vois, j'ai le chibre dans la main gauche, et puis d'un coup, ça vient comme ça, oh, tu vois, c'est un petit peu comme ça, c'est la magie de l'art, quoi, quelque part, de l'artiste qui vient comme ça, ouais c'est un petit peu ça. Donc non, alors je pourrais pas vous dire, j'en referai d'autres, certainement, mais je peux pas m'imposer un rythme, c'est impossible, c'est vraiment au feeling, aux fonctions de ce que j'entends, de ce que je vois, de comment j'arrive à choper la personne que j'ai envie de parodier aussi. Voilà, ça doit se faire naturellement, hein, parce que une fois de plus, j'ai pas envie de faire des trucs complètement naze non plus. Enfin, tu vois, je vois minimum, moi j'ai envie de faire sourire les gens, tu vois.
J'ai pas envie de les saouler avec des vieilles parodies dégueulasses. Donc voilà, je prends mon temps, on verra, mais il y en aura d'autres, ouais, si j'ai des idées, évidemment, avec grand plaisir. Et puis ensuite, après, au niveau de mes attentes 2021 jeux vidéo, hein, rien à foutre, j'attends rien, vous me connaissez, PS5, Xbox Series X, rien à foutre, je m'en fous complètement, je suis complètement en dehors de tout ça, donc j'attends rien en fait, j'attends rien, voilà. D'un point de vue collection pure, je pense que je vais bien me calmer, je suis arrivé quand même à un stade là où j'ai chopé vraiment, je vais pas dire tout ce que je veux, parce qu'il y a encore 2-3 trucs, mais bon, je vais surtout m'attaquer à la PC Engine et puis pas mal de la PS1 Jap, ça va être un petit peu ça je pense cette année. Voilà, mais pas de jeux récents, enfin des jeux à venir récents, j'en ai pas en tête. Il y en a peut-être que j'oublie, mais en tout cas, il n'y a rien que j'attends vraiment comme un dingue, quoi. Je m'en fous de tout. Franchement, je m'en fous de tout. J'espère aussi que 2021, il y aura les conventions. Toutes les conventions qui étaient prévues en 2020, la Pixel Day, la Geek Convention d'Annemasse. Qu'est-ce que j'oublie encore, le ThingsPast de Lyon, la convention, j'ai oublié le nom, une autre en Belgique où je devais aller, enfin en gros il y avait plein de choses de prévues en 2020, espérons qu'en 2021 ça puisse se faire, c'est pas forcément évident, mais bon, après c'est surtout que ce qui est chiant, c'est que moi tu vois quand tu viens me voir en convention, bon pour ceux qui m'ont rencontré, vous voyez comme je suis assez tactile, moi j'aime bien faire des bisous, mettre des doigts aux gens, tu vois, et là c'est vrai que ça va être bizarre, même si on se rencontre, t'as le masque, t'es comme ça à distance, ouais salut, ça va, t'es en mode oh là là c'est chiant, mais bon, une fois de plus, comme je te disais tout à l'heure, restons positifs, c'est pas grave en soi, hein, on le fera bien un jour ou l'autre. Ensuite je précise aussi un truc, YouTube en ce moment s'amuse beaucoup à censurer énormément. Alors mes vidéos, non, en soi elles sont pas censurées, par contre vos commentaires, une catastrophe, hein. Faut vraiment savoir qu'il y a beaucoup de com que j'aperçois vite fait dans les notifs et qu'en fait après je peux pas les voir, je peux même pas moi-même les décensurer, en fait de base c'est censuré. Pareil quand je suis en live, ça arrive énormément. Et je le sais parce que moi-même je le vis quand je commente des vidéos de potes ou quand je suis dans des lives de certains potes, tu vois, ça ne passe pas. Et en fait, ce n'est pas lié au youtubeur ni à ses modos, c'est YouTube, il se fait des... Là en ce moment, c'est violent. Ça veut dire que typiquement, c'était sur l'ami Biggycam, je lui ai fait un petit com il n'y a pas longtemps là parce qu'il parlait de Thunder Force 4, et puis je lui ai mis bâtard dans le commentaire, ouais, parce que j'avais envie de lui mettre ça. Et bâtard, ça ne passe pas. C'est quand même violent parce que tu vois, encore enculé de ta race, tu vois, tu peux te dire bon, grosse salope, tu peux dire ouais, mais bâtard, ça va, c'est mignon quoi. Non. Donc voilà, donc ça va loin des fois. Et puis voilà, ouais, donc c'est juste comme ça, vous le savez, au cas où, ne le prenez pas mal si jamais vous voyez pas vos coms ou s'il y a un truc. Parce que théoriquement, moi je ne censure rien sur la chaîne. Après, si c'est des insultes à répétition, au bout d'un moment, bon, je vais les virer vos coms, ça devient chiant. Mais sinon, je censure pas, moi je vous laisse dans votre truc, hein, j'ai pas de soucis avec ça. Donc voilà un peu l'histoire. Sur ce, en tout cas, moi je vous souhaite surtout de bonnes fêtes, hein, évidemment. Profitez bien, profitez de vos proches, tout le bordel. On croise les doigts pour 2021, et puis bah sinon ce sera 2022, et puis voilà, prenez soin de vous, de votre putain de santé, de votre putain de famille, et tout ça, quoi, puis jouez, kiffez, surtout dans la bonne humeur, sans se prendre la tête, merde, putain, on n'est pas là pour ça, hein, voilà. Et ben voilà, bah, finir en chanson, alors attends, attends, je me sens... jingle fuck, fuck me in the ass. If you want to fuck my ass, I will fuck you twice. Hey, jingle fuck, jingle fuck, jingle fuck the way. If you want to fuck my ass, I will fuck you twice. Woo! Ouais, c'est comme ça. Last Christmas, I gave you my ass, and already next day, you fucked me away. Last Christmas, I gave you my ass, and you fucked me deeply. Oh, last Christmas, I gave you my ass, and already next day, you fucked me away. Last Christmas, I gave you my ass, and you fucked me deeply. Please.